Ta fille, Hawalemé, sera paralysée par la volonté des esprits des ancêtres pour la protéger d'un mauvais sort jeté sur elle par un marabout sorcier. L'ouverture d'une école française au Sénégal présente-t-elle vraiment un risque pour la population locale? Comment trouver le juste équilibre entre tradition et modernité? Comment concilier deux civilisations, les racines africaines et l'apport occidental? En s'attachant à suivre le destin d'une famille sénégalaise sur plusieurs générations, ce conte mystique et sociologique explore le monde de la sorcellerie et ses malédictions pour illustrer les débats identitaires, les croyances et leurs dérives. L'auteur, El Hadji Diagola, est un journaliste sénégalais. Il fait partie des figures montantes de la presse sénégalaise d'abord et africaine ensuite, ayant participé, comme tant d'autres, à l'avènement de l'alternance démocratique dans son pays par le biais de ses articles. Très respecté, il jouit d'une bonne réputation de planificateur et de défenseur des droits de l'homme. Comme en témoignent ses ouvrages, El Hadji Diagola se bat pour des causes justes et prend la défense des civilisations bafouées.